C'est une visite très importante pour moi parce que la Chine est un soutien et un partenaire très engagé dans le multilatéralisme, très engagé dans les missions qui sont celles de l'UNESCO dans le monde, l'éducation, la culture, les sciences. Ce qui est très important, c'est que ce que nous avons réussi, ce que la Chine a réussi en termes d'éducation, de culture, en s'appuyant sur cette culture multiséculaire, en ayant à travers l'éducation, l'enseignement supérieur, réussi un développement économique majeur sans précédent et une transformation du pays au cours des 20 dernières années sans précédent. Ce qui est important, c'est de profiter de cette expérience-là pour aller soutenir le reste du monde. Je pense notamment à l'Afrique, dans laquelle la Chine est très engagée et la Chine nous soutient pour aller développer les systèmes d'éducation, les systèmes culturels en Afrique. Et pour aller plus loin, c'est justement partir de cette expérience réussie, développer nos partenariats sur l'éducation des filles, sur les patrimoines culturels, les partenariats scientifiques, la haute technologie, l'intelligence artificielle au service de l'éducation. C'est de tout cela dont nous allons parler.